Ah, bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Alors d'avance, eh ben ça fait, c'est les 1 an, hein, donc tout simplement, ben je me souhaite à moi-même un bon anniversaire. Enfin, faut surtout remercier les gens de chez Gaming Live qui ont été suffisamment fous pour dire tiens, lui, on va le mettre à l'antenne. Enfin, blague à part, eh ben bon anniversaire au guide du collectionneur. Donc ça fait 1 an. En 1 an, s'en est passé des choses. On essaiera justement de profiter des 2 heures qui nous sont imparties aujourd'hui pour en faire, hein, je ne veux pas dire un real talk, hein, mais une foire aux questions géantes. Donc, on va démarrer cette émission sous cet auspice, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, autre chose, veuillez m'excuser si j'ai une voix bizarre, si je tousse, j'ai le nez qui coule. Depuis que j'ai été courir lundi, j'ai une vieille toux des familles, mais vraiment. Une toux dégueulasse. Alors je m'en excuse si vous m'entendez tousser dans le micro ou faire des têtes bizarres parce que je dois me moucher le nez. Enfin voilà, donc on va démarrer. Mais par quoi on va démarrer? Parce que souvenez-vous, il y a 1 an, on avait démarré par de la Nintendo, par de la NES, avec les jeux en black box. D'ailleurs, cette VOD, où elle est cette VOD? Parlons-en. Bah, cette VOD, elle est perdue à tout jamais. Donc la semaine prochaine, on refera la première du guide du collectionneur, ça paraît bizarre, mais on essaiera d'avoir un contenu un peu particulier. Enfin, je vous en reparlerai d'ici là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord, je vais allumer la Saturne, ce sera bien. On va parler d'un jeu que depuis le second épisode de l'émission, eh ben, à force d'en parler, ce serait bien de le faire. Donc, ce jeu, c'est Radiant Silvergun. Donc pour ceux qui doutent que je l'ai en boîte, hein, voilà, il est là. Complet avec la spine card, hein, bien sûr. Le spine card qui est là, ou la spine card, c'est comme vous voulez. Alors à la base, on devait faire le Parodius, hein, JQ Chabéry Parodius, sur lequel je m'étais entraîné hier en chaîne perso. Je me suis aperçu qu'en fait, on l'avait déjà fait. Donc au pire, on verra tout à l'heure. Hein, c'est un jeu qui est surcoté. Effectivement, ça je dois l'avouer. D'ailleurs, c'est un jeu qui valait 250 balles passées quand je l'ai acheté, même si je l'avais pas acheté à ce prix-là. Je l'avais touché dans les 200 balles. Et maintenant, avec la spine card en bon état, c'est 180 euros, hein, en moyenne. Alors, par contre, on va faire une chose, c'est que je vais me mettre en mode de difficulté petit slip. Pourquoi? Parce que j'ai pas joué au jeu depuis tellement longtemps. Et comme hier, je n'ai tellement pas non plus. Start to exit, voilà. Comme hier, je me suis pas entraîné, et comme ça au moins. Alors aujourd'hui, on va pas faire que du jeu hein, qui est surcoté, hein, on va pas déconner. La Saturn n'est pas dézonée, j'utilise une petite carte qui s'appelle le ST Key, que je vous montrerai quand on reviendra sur un jeu qui n'est pas en import. Alors, le jeu, hein, si vous voulez jouer sans vous ruiner, il y a le Xbox Live, hein, il y a une version qui existe sur le Xbox Live. Alors, est-ce que c'est un jeu qui vaut honnêtement son prix? Alors, il y a débat un peu dans la communauté des collectionneurs entre un jeu qui vaut cher mais qui a pas de contenu et un jeu comme celui-ci qui vaut cher mais qui a extrêmement de contenu. Mais faut déjà accrocher en premier lieu sur le jeu, faut bien être d'accord. Hop, voilà. Faut que je m'habitue aussi au lag parce que mon écran lag un peu du fait de la capture. On va encore me dire, ah, tu sors les vieilles excuses, mais c'est vrai que ça lag un peu. Alors, vous attendez pas non plus à du super play ou quoi que ce soit. Hein. Surtout venant de ma part, vous voyez déjà, ça commence bien. Merde, c'était où? Ah, voilà, c'était le shot lag que j'aurais dû utiliser. Voilà. Alors confirmez-moi que le son du jeu est pas trop fort. C'est l'un des meilleurs shoot'em up qui soit, ça c'est sûr. Mais il y a des bas parce qu'en fait, il y a des jeux, même certains jeux Atari 2600, qui n'ont aucune, entre guillemets, replay value, je dirais, ou durée de vie, c'est comme vous voulez. Et qui valent le prix de 2 voire 3 Radiant Silvergun. Donc quelque part, le son pas vraiment fort. D'accord. Alors attendez, attendez, attendez. Hop, je suis à 12. Voilà, je l'ai monté un tout petit peu. Je pense que ça devrait être un
poil meilleur. Le son du jeu est nickel. Bon, j'ai mis un tout petit peu plus de son. Bon, en fait, voilà, ben, le jeu, hein, pouvait jouer de 10 milliards de façons différentes, que ce soit pour les chaînes, les combos, même aussi les destructions de boss, les trucs qui sont cachés, hein. Il y a des chiens qui sont cachés un petit peu partout, qu'il faut... C'est quelle arme? C'est celle-ci. Ouais, voilà, celle-là. Avec le lock, en fait, qu'il faut déloger. Voilà, hop, il y a l'épée aussi, hein, que... En récupérant en fait des boulettes roses avec l'épée une fois chargée à son maximum, ben, elle se transforme en arme à part entière. C'est vraiment un jeu qui est ultra complet. Direction artistique, hein, c'est. Par contre, je risque d'en choquer plus d'un. Pardonnez-moi, c'est pas mon shoot'em up préféré sur Saturn en termes de fun. Hein. Je dirais même c'est un jeu qui se prend peut-être un peu trop au sérieux. Vous avez aussi l'armement qui est évolutif aussi, hein. J'ai oublié de le préciser, mais... Voilà. Votre armement évolue au fil du jeu. Donc vous voyez, en fait, vous avez trois armes de base, A, B et C, que vous voyez à côté de LV, à côté de mon score. Et au fur et à mesure... tout ça avance, au fur et à mesure où j'utilise les armes, et ben en fait elle gagne de l'expérience. C'est un shoot'em up, un RPG, il y a de tout dedans. À la fois aussi un puzzle game, hein, si vous voulez jouer et faire les combos maximum. Hein. Si vous voulez jouer au jeu sans vous ruiner, il y a la version XBLA qui est pas mal, mais la refonte graphique me dérange un peu. Je l'ai acheté quand même, hein, je dois avouer. Même si j'ai cette version... Saturn. Donc je pense qu'on va jouer un bon moment aujourd'hui sur Radiant Silvergun. Pour se faire plaisir pour les 1 an. Parce qu'en fait hier je me suis posé la question, mais quand est-ce qu'on a démarré? Et à une journée ou deux près, il me semble que c'est les 1 an. Donc voilà. Hop. Ah par contre j'ai pas mis à jour, c'est vrai, le nom du stream. C'est pas grave, je le ferai après, à moins qu'un modo passe dans le coin et veut le faire pour moi. C'est vrai que j'ai oublié, je dois avouer. Pas très professionnel tout ça. Ouais, je m'en doutais. Je me doutais que j'étais pas bien placé, c'est pas grave. Après, j'ai aussi une Saturn dézonée, hein. Je dois l'avouer. Hein. Si j'utilise le ST Key, c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus pratique quand je stream. Enfin, beaucoup plus pratique quand il veut bien fonctionner. Parce qu'il est un peu capricieux. Si je l'enfonce un peu trop dans le slot cartouche, il marche pas. C'est une chose qu'il faut savoir. Il vaut combien ce jeu? Ben, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le trouver à partir de 150 €. Bien sûr, en Jap, hein, ça, il n'est pas sorti ailleurs. Sans le spine card. Le spine card, c'est le truc, en fait, qui est sur le côté. Bah attends, t'embête pas, Boss Dick. Je vais le faire tout de suite, voilà. Attends. Hop. Le voilà, il me suffit juste de mettre spécial. Ah non, voilà. Et on met Radiant. T'inquiète, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Radiant Silvergun, voilà, pop, c'est mis à jour. Et alors, ah, ok. Et ben, mes spéciales, ah non, Boss Dick, si c'est possible. Parce qu'en fait, j'arrive pas à mettre à jour, en fait, depuis le dashboard. Ce qui est gros embêtement. Voilà, là on pouvait farmer. Je me suis souvenu. Alors là, de mémoire, comment je le jouais ce passage? Parce que là en fait j'essaie de me souvenir comment je jouais au jeu tout simplement. Voilà, bloum. Voilà. Donc là, il y a le petit clébard, hein, qui est là tout simplement. Je crois qu'il y en a un autre quelque part, je me souviens plus où. Ah zut, j'ai fait vraiment de la merde. Par contre, c'est le genre de jeu, si t'es déconcentré ou si t'es en dehors du timing que ne serait-ce qu'une demi-seconde, tu le payes cash. Pour ça qu'en termes de fun, c'est pas mon shoot'em up de préférence sur Saturn. Hein.
C'est un jeu qui a tellement de direction artistique, vous voyez là, je me suis décalé un tout petit peu. J'aurais pas dû. Voilà, j'ai tout pris. Ah, tu as pas accès au dashboard, d'accord. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de le faire à la pause. Je me souviens plus quelle arme faut utiliser. Parce qu'en fait, il y a généralement une arme qui facilite en fait la destruction des boss. Ah, voilà, oui, c'était les lasers, j'avais oublié. J'avais oublié. Il y a un moment, faut se décaler, c'est ici, je crois. Tellement pas joué au jeu. Ça va faire plus d'un an et demi que j'ai pas joué à ce jeu. Alors pourtant, on avait dit... Dès la seconde émission, déjà, on en avait parlé, hein, qu'on allait... le faire le jeu, mais par paresse je dois l'avouer, et puis aussi par le fait aussi que des fois faire des shoots em up en live c'est ultra périlleux, surtout pour moi parce que ah là, vous voyez déjà autant un shmup comme Parodius, bon hier on l'a fait, c'est pas trop mal passé, on a réussi à terminer le jeu, ça, voilà, d'accord, parfait, bravo. Lui il est en train de me casser les pieds. Vous attendez pas du gros gameplay. Et le problème c'est que tant qu'on jouera à Radiant Silverion, je pourrais pas trop lire le chat. Donc d'avance je m'en excuse. Ou alors je pourrais lire le chat pendant des moments de répit. Il y en a quelques-uns dans le jeu. Ah putain, j'ai essayé de farmer les... les cacaroses alors que j'aurais pas dû. Oh là là là. Ça sent le gars mauvais, ça. Ça sent le gars mauvais. Oh là là. T'énerve pas. T'énerve pas. T'énerve pas, ça fait que 12 minutes que tu joues au jeu. On a le droit de s'énerver seulement à partir de 15 minutes. C'est une clause en fait. C'est une règle non écrite en fait du guide du collectionneur. C'est à partir de 12 minutes. T'as le droit de t'énerver. À partir de 15 minutes plutôt. Et pas avant. Il y a la règle des 3C en fait. Et il y a la règle des 15 minutes. Non, laisse-moi tranquille. Ok, bon, il ne reste plus qu'un. Non, il en sont encore deux. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup utilisé cette arme. Alors, du coup, là, elle est pas. Hyper efficace. Voilà. Je sentais qu'il fallait se décaler. C'est tout le problème quand vous utilisez une arme plus qu'une autre en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment. Ah, c'est plus. C'est encore plus une. En fait, vous avez R-Type. R-Type, c'est un peu. Bah, de toute façon, c'était totalement une référence ce vaisseau. Tu le mettais sur le côté, c'était le vaisseau d'R-Type. Vous avez des jeux comme R-Type qui sont presque une dictée. C'est tu connais ou tu connais pas. C'est presque à la limite une récitation. Et t'as un jeu comme Radiant Silvergun, c'est ou tu connais ou tu connais pas. Et si tu connais, fais gaffe quand même à pas trop jouer le dingue. Voilà, ici, bon. J'ai un passage qui peut. Peut s'appréhender autrement, mais j'ai pas tellement envie de me prendre la tête. On va attendre. Bloom. Un bon coup. Dans ça le gueux. Il me semble qu'ici il y a un truc caché, non? Ouais. Voilà. Il y avait un clébard. Et je crois qu'ici il faut utiliser cette arme. Ah oui. Oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Ok. À partir de maintenant, plus d'excuses. Mais c'est un jeu, si vous décidez d'y persévérer, progresse quand même assez rapidement. Et ça devient très vite agréable à jouer. Comme Ikaruga d'ailleurs, hein. Ikaruga, en termes de challenge, c'est peut-être un peu plus facile, je trouve. En tout cas, c'est peut-être parce que j'ai trop joué à Ikaruga, du coup, bah... Voilà, donc là,
Ah oui. Mort, ouais. J'avais pas anticipé qu'il fallait se décaler, c'est pas grave. Et plus vous utilisez une arme contre un boss en particulier, et plus cette arme va devenir efficace. Non. Ah, j'avais réussi pourtant. Plus cette arme va devenir efficace et va vous rapporter des points. C'est bon, c'est passé. Après, vous pouvez aussi modder une Saturne, hein, tout simplement, pour mettre une puce dedans. J'en ai une. Le problème, c'est que, bon, avec les imports, j'ai aucun souci, mais avec certains jeux PAL, je sais pas si c'est la puce en elle-même, mais parfois, elle est ultra capricieuse, et du coup, c'est très chiant. Alors, si vous utilisez le ST-Key, c'est bon. Pour le coup, il n'y a pas trop à s'embêter, vous mettez les jeux que vous voulez dedans, et puis voilà. Le sticky, c'est une sorte de cartouche qui permet de passer les imports. US y compris. Même si je n'ai pas de jeu Saturn US, voilà, ce blâme. Voilà. Lui, je voulais m'en débarrasser rapidement. Okay. Après, vous pouvez aussi, je pense, l'émulation Saturn est aussi un peu au point. Hein. Après, les PC de maintenant, ça peut largement émuler une Saturn. Pas obligé d'avoir une config de fou. Oula, ouais, j'ai senti venir. Après, je suis pas un expert en modification de console, hein. C'est l'un de mes grands défauts, c'est quand j'ai une console, je préfère, à moins vraiment qu'elle ait un problème, pas trop y toucher. Alors ici, quelle arme fallait utiliser? Je crois que c'est ça au début. Voilà, il y a ça qui devrait... Voilà, du coup là, j'ai une assurance vie. Il y a le module là maintenant à péter. Là, on est pas mal. Faut juste faire gaffe. Non pas au cacarose, mais voilà, à ce qui va arriver. Je me souviens plus si je le pète en premier, ça, au shot. Ah voilà, ouais, c'est ça. Ok. C'est ce truc-là qu'il faut que je pète rapidement, sinon après, il va me poser gros embêtements, lui. Voilà. Après, vous faites aussi plus de points, je pense que je vous l'ai dit, si vous détruisez toutes les parties du boss. Sinon, vous pouvez hein, vous mettre là et puis voilà, bourrer. Hein, pour péter le boss plus rapidement. Ah oui, j'avais oublié ça. Alors, comme je joue en ratio 16/9, parce que ma télé, elle ne permet pas de régler le 4 tiers, ça va être chiant ce genre de partie. D'accord. Heureusement que j'étais encore invincible quelques secondes. Hein. Alors pardonnez-moi si je ne lis pas le chat, là j'essaie juste de rester vivant. Pas faire trop fou. Ah voilà. Maintenant sans de voilà ce que j'allais dire, sans que ça devienne non plus une partie de rigolade. Ah non. Voilà, laisse-moi tranquille. Voilà. Je suis pas dedans et ça se voit.
ça, on n'est pas là pour faire du super play, malheureusement. Hein. En tout cas, si vous avez des questions, attendez, attendez quelques secondes. Voilà. La console pucée, à mon avis, c'est que pour les imports. Hein. Moi, j'ai jamais essayé de graver un jeu Saturn, donc je pourrais pas vous dire. Pucée pour les graver, pour les imports, ouais. Pour les imports, un Switch suffit, effectivement. Moi, celle que j'ai, elle a juste un Switch. Sauf mes deux Saturn que j'ai pour ma boîte. Bon, j'en ai une là actuellement, une modèle 1 et une modèle 2 que je n'ai pas voulu pucer. Ashton, des bisous Ashton. Des bisous à Ashton. J'avais pas vu. D'ailleurs, est-ce qu'il y a dans ce jeu, parce que c'est un jeu avec des mechas quand même, il y a des robots. Est-ce qu'il y a un barbu? C'est la question qu'il faut se poser à mon avis. Ah ouais, il y a un vieux barbu, hein, quoi qu'il ressemble pas trop à Ashton quand même. Hein. Ah, ma musique préférée du jeu, là. D'ailleurs, c'est une des bandes-sons, en fait. C'est partie de ces jeux où le jeu, je l'aime bien, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, mon petit Jean-Mimi. Mais je préfère la bande-son au jeu. Donc, jusqu'à la pub, on va aller sur Advent Silvergun. Et puis après, on reviendra sur les jeux me permettront de lire un peu le chat de façon plus régulière. Dites pas du mal des mechas, dites pas du mal des mechas, attention, là si vous dites ça, je peux rien pour vous. Plum, voilà. Hop. Magnifique boss tournant, hein. comme dans Ikaruga avec le boss qui file la gerbe. Le fameux boss Gerbotron. Bon là on va pas détruire toutes les parties du boss, hein. On va juste l'expédier rapidement. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que la capture soit en 16/9e? Oui, parce qu'en fait... Ah oui, j'ai pas corrigé l'aspect ratio, oui d'accord, du coup c'est normal, mais si je corrige l'aspect ratio, ça va poser problème, ouais en fait, ouais, voilà, j'ai un problème avec ma télé en fait, qui m'empêche de régler l'aspect ratio, je peux le régler dans mon XSplit, mais va falloir que je réinitialise le réglage après, comme la carte de capture étant, ah oui, le fameux double boss, oui. Non, je me souviens plus du tout comment on s'en occupe, d'accord. Parfait, bravo. Du coup, ça rend aussi la partie un peu plus chiante pour moi, parce qu'en fait, ben, j'ai tout simplement pas le bon réglage sur ma télé. Je me souviens plus à quel endroit il faut plus le suivre. Déjà, c'était pas là, c'est sûr. D'accord. Parfait, parfait. Vraiment, je crois qu'il reste un continu. Ça va, je regardais, il reste encore 15 minutes. On a encore à peu près le temps. Ah merde!
Du fait que j'ai le 16-9ème, en fait, parfois, j'ai l'impression que j'ai encore la place pour pouvoir me coller au mur, vous voyez, là, par contre, alors qu'en fait, pas du tout. C'est assez chiant. Autant pour certains jeux, ça pose pas de problème. Je m'en doutais, je m'en doutais. Je me souvenais plus le chemin. Je m'en doutais aussi. C'est vraiment le genre de jeu, si tu connais pas, ben. C'est très 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 compliqué. En fait, le CRT, oui, oula, par contre. On sait pas survivre à ça, vous voyez. Ah, bah ouais, sûr. Bien sûr. Le CRT, oui, mais pour le stream, c'est. Je l'ai fait pendant un moment, hein. Là, avec le matériel que j'ai, c'est impossible. Je vous le dis franchement, c'est impossible. J'en ai encore à la maison, tu sais, de cathodique. Mais là, avec ce genre de setup, c'est impossible. Ou alors, il vous faut un doubleur de multiprise qui passe avec certains signaux. Je sais d'avance que le seul signal Sega qui passe avec un doubleur de multiprise, c'est la Saturne. Donc, techniquement, ça, on aurait pu le faire. C'est un shoot'em up particulier parce que vous n'avez pas de smart bomb. Vous n'avez pas ce genre de choses. C'est vraiment. T'as intérêt à connaître le jeu, mon coco. Sinon, ça va être très dur pour toi. La seule smart bomb que vous avez, en fait, techniquement, c'est l'arme de l'épée, hein, une fois qu'elle est rechargée à fond. Et comme vous devez prendre des risques pour la recharger, la plupart du temps. Ça devient compliqué. Hop, voilà, ça me permet de passer. Quoi qu'il faut faire gaffe ici, hein. Voilà. De temps en temps, faut arrêter de tirer. Ouh, punaise. Ça va, c'est passé. Chou, tu as testé le SLG 3000, je ne vois même pas ce que c'est en fait. Je ne vois même pas ce que c'est. Si c'est le truc que MV m'avait parlé il n'y a pas longtemps, je crois savoir. On va savoir, on va pouvoir avancer un peu plus dans le jeu, j'avais peur en fait. Mais c'est bon, du coup, on va pouvoir aller un peu plus loin. Par contre, il y aura juste peut-être... un moment où on aura un problème avec la Saturne. Parce qu'au bout d'un moment, ma Saturne, bah, elle a plus trop envie de changer de jeu. Donc si c'est ça, bah, vous inquiétez pas, il faudra que j'en branche une autre, tout simplement. Je m'y suis préparé à ça. Ah, générateur de scanline, oui, d'accord. Ouais. J'ai pas testé, parce qu'au moment où ça m'intéressait, ça coûtait... pas mal d'argent pour ce que c'était. Comme de toute façon, avec les écrans LCD, il y a toujours un peu de latence. Donc c'est pour ça que je m'étais méfié à l'époque de ce truc. Et ça se trouve, c'est pété ce machin. Hop. Ah voilà, donc ici il fallait... Ah zut!
il fallait utiliser cette arme, il me semble, pour tout péter. Enfin, c'est pas grave, moi, t'auras toujours la... La VOD. Sur la VOD, hein, vous savez maintenant. Les VOD, je les upload le soir même pour que ce soit dispo le lendemain. Ah, c'est cette arme-là qu'il fallait utiliser et pas l'autre. Ben oui. Déjà, on a un bonus d'armes. Par contre, je me souviens plus des placements. Et ça va être le drame. Voilà. En pensant tout à l'heure au live de ce soir, je m'étais dit, si on arrive déjà à aller jusque-là, ce sera bien. Du coup, ce qui serait cool, c'est de pouvoir passer le boss. Au moins, de pouvoir aller un petit peu plus loin. Bon, en fait, vous avez toutes les parties en fait à détruire, hein, mais... J'essaierai de me rentraîner un peu sur le jeu et le refaire en chaîne perso, ça pourrait être sympa. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ça, il n'y a que moi, ça, qui... Il n'y a que moi qui fait ça. Voilà. Hop! Ah, c'est 50 balles, un SLG 3000, d'accord. Après, c'est à Chou qui faut demander les bons tarifs. Pourquoi... Mais si vous demandez le tarif de ce jeu, à 150 balles, il se trouve sur eBay. Hein. Ça, pas d'embrouille. Hein. J'ai même vérifié tout à l'heure. Parce que moi, j'étais encore resté à l'ancien tarif, à savoir 200 balles. D'ailleurs, c'est rigolo. Hein. C'est l'un des jeux qui a perdu quasiment 50 balles en une année. Hein. Enfin, quand je dis c'est rigolo. De toute façon, je compte pas le revendre, mais... De toute façon, j'ai lu, ce boss me fait penser à Gradius. Il y a tellement de façons dans ce jeu de référence à Dodge Shoot Them Up, et pas forcément qu'à des jeux développés par Treasure, que faut... Quelque part, c'est un peu comme Parodius, en fait. C'est trouver toutes les références, c'est un peu... Ça fait partie un peu du jeu, je pense. Ok, je suis en train de regarder l'heure. Dans 10 minutes, ça sera la pub. Donc dans 10 minutes, je pourrai me moucher correctement. Je dois vraiment avoir une voix horrible ce soir. Mais en même temps, j'ai tellement le nez bouché. Bloom, voilà. Ah, ça a bourré le hashtag guide collectionneur pendant que je jouais. Ok, ben je regarderai vos photos après. Des bisous à merci à tous ceux d'ailleurs hein, qui chaque semaine m'envoient des photos. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des photos de trucs de fou hein, à des prix défiant toute logique. Parfois, hein, même si vous collectionnez pas, envoyez des photos des jeux auxquels vous jouez actuellement. Hein. Vous pouvez aussi collectionner du jeu récent. Hein, c'est pas la collection, c'est pas forcément un truc qui doit forcément avoir attrait aux vieilleries. Hein. D'ailleurs, c'est vrai, j'aime pas parler de ce que j'ai acheté cette semaine. Hop, j'ai trouvé deux paddles, en fait, pour l'Atari. Et puis, j'ai dû acheter des manettes filaires, en fait, pour ma boîte. Je suis saucé. Le mec, il a dépensé 180 balles dans 5 manettes. Il est heureux, mais alors, très content. Ok, là on revient en mode. Voilà. Merde, non, c'est bon. Désolé, comme c'est la dernière vie, j'essaie de rester un peu concentré, hein, parce que ce passage-là, c'est tellement pas simple. Allez, ouais. Et ouais, c'est game over. Alors du coup, combien se vend une Dreamcast et un joystick arcade de nos jours? Alors, la Dreamcast actuellement, j'en vois des prix un peu, je dirais pas un peu fou, mais no save, ouais, parce que j'ai pas mis de pile dans ma Saturn. J'en vois des prix qui sont
totalement variable. Le bon prix actuellement, ça, c'est à peu près dans les 50 euros. Le stick arcade, je ne saurais pas vous dire. Il fait un moment où les sticks arcade, c'était déjà 50-80 balles facile. Et le problème du stick arcade, c'est que souvent, le petit bouton start, il est pété. Donc, il va falloir percer un trou derrière, foutre un bouton sannois. J'ai dû le faire. Il va falloir sortir le fer à souder. C'est un peu chiant. Mais il faudrait que je vérifie le prix du stick arcade. Gradu 5, c'est une tuerie, effectivement. Je l'ai toujours pas d'ailleurs. Boss D qui dit, je collectionne uniquement pour jouer. Ben, moi, c'est un peu pareil. Donc, pour ça qu'il y a plein de choses auxquelles je passe à côté. Y compris des bons jeux, hein, mais auxquels j'ai pas forcément envie de jouer. Donc, je me dis, bah, du coup, ça sert à rien que je les achète, ça sert à rien que je mette des prix là-dedans. Après, ceux qui peuvent se permettre d'acheter tout ce qui leur tombe sous la main, faites-le, hein, quelque part. C'est pas moi de vous dire comment claquer votre blé. Enfin, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la pub tout de suite et on revient après. Alors, je vais vous faire voter, hein, sur ce qu'on joue. Pendant la pub, ça sera plus simple. Allez, du coup, pub et à tout de suite. Thank you.
De retour dans le guide du collectionneur. Pourquoi je ris? Vous dites, le mec, il revient de post-pub et il rit. Pourquoi? Parce que j'avais été dit, j'ai 5 minutes. 5 minutes pour changer un CD, ça, c'est pas la mort. Mais non! 5 minutes, vous m'étiez dit 5 minutes pour me moucher le nez et tranquille changer de CD? Non! La Saturne, qui est là, eh ben, elle a décidé de plus travailler. Donc, heureusement que j'avais ma Saturne backup de secours, parce que celle-là, quand, en fait, toutes mes Saturnes, elles ont ce problème, c'est quand j'utilise un jeu Jap et que je reviens vers un PAL, ce qui se passe, c'est bah, la console, la capture, l'image vibre à fond, ça fait dégueulasse, c'est illisible, et du coup, eh ben, on peut plus rien faire. Voilà, donc bah, c'est propre. Alors par contre, je vais essayer de résoudre mon problème de tout à l'heure. Alors, mise en page, voilà, donc faut garder les proportions, voilà. Donc si je fais ça, on est d'accord, la capture c'est mieux. Donc tout à l'heure, eh ben, j'avais fait de la merde, mais je l'avoue, je l'avoue. Alors par contre, il y a encore des pubs et j'en suis désolé. Par contre, j'en profitais pour me moucher le nez, pardonnez-moi aussi. Ah, ce vieux rhume des familles. C'est ça, aller courir tout nu aussi le lundi, hein. On le paye. Et bah du coup, bah, j'ai dû changer de console pendant la pub. Et ça, c'est beau. Alors du coup, bah, on est parti pour Children of the Atom. Vous demandez tout à l'heure ce que j'utilisais en fait hein, pour passer les imports. C'est ce petit bidule, le ST Key. Voilà, alors on peut peut-être changer, ouais. Attends, je vais peut-être changer la difficulté, hein, parce que je le sens pas. Ah, toutes mes Saturnes font ça. Et des fois, j'ai même des problèmes quand je fais une animation. C'est que la console, elle peut tourner 8-10 heures sans problème. Ou des fois, en fait, elle peut décider au bout d'une heure de plus vouloir rien faire. Et je suis obligé de changer. Alors, bon, c'est bien, hein, j'en ai trois. Mais si j'ai les trois qui me font ça, de façon cyclique, et ben des fois, gratte-toi la tête pour trouver une solution. Donc c'est souvent assez chiant. Alors l'émulateur Saturn sur Dreamcast, je savais même pas que c'était en projet. Panzer Dragon, je l'ai pas mis. Sega Rally, j'aurais pu le mettre. Ce jeu, je l'adore. On fera un jeu de bagnole après et on fera un hommage à une collègue. On fera un Need for Speed peut-être pendant les dernières 10 minutes. Donc on fera un petit coucou à Kijuki. Du coup, voilà. La Saturn, c'est assez différent de la PlayStation 1, on est d'accord. Mais il y a des jeux qui sont tellement meilleurs sur Saturn. D'accord, ok. Mais calme-toi. Mais elle va se calmer. Ah oui, c'est vrai, c'est pas. D'accord, ok. Ok. Moi, j'ai essayé de jouer déjà comme le Wolverine de Marvel versus Capcom 2. Grosse erreur. Voilà, le saut vide rien, ça marche pas. Voilà. Le Berserker Barrage. Et il se sort en super, en fait. J'avais déjà oublié. Par contre, il a tellement de. Voilà. La Saturn, en fait, elle était capable de faire de la 2D et de la 3D. Contrairement à la PlayStation, qui, faut pas s'en cacher, a été faite essentiellement pour faire de la 3D, qui à l'époque envoyait quand même du pâté. Ce qui fait en fait que beaucoup de développeurs avaient du mal, je pense, à gérer toutes les capacités en fait de la Saturn. Voilà. Voilà, je l'ai gratté, j'ai bourré. Après, il y a des jeux qui, effectivement, d'une console à l'autre, peuvent être un peu meilleurs. Alors, on est d'accord. On va prendre un cas d'école qui, tout le monde l'a eu sur PlayStation. Regardez ce que ça vaut sur Saturn, c'est Rayman. Tu regardes le jeu sur Saturn, tu regardes le monde d'un autre œil, tu te dis, tiens, en fait, le jeu, il est bien mieux, comment ça se fait? Meilleur graphisme, meilleure musique, c'est. Je comprends pas.
Dodonpachi, ouais, aucune idée par contre de ce que ça vaut en. Parce que, bon, en fait, Dodonpachi, c'est toujours un jeu que j'ai joué en ému, donc. Hop. Ah oui, c'est vrai, on va mettre la garde aérienne. Ce qui explique que. Voilà, quand j'ai bourré, ça a pas très bien marché. Et je crois qu'il y a le fameux avant-point-pied, voilà, qui est un machin, un coup bizarre auquel j'ai jamais tellement compris son utilité. D'accord. Pas de pif safe, hein. Wouah! Ce qui fait chier, effectivement, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui nécessitent le rampack, en fait. C'est le cas de X-Men versus Street Fighter. Ouais, c'est X-Men versus Street Fighter. En même temps, le portage est tellement mieux aussi que sur PlayStation que quelque part. Le rampack, il y est pour beaucoup, hein. Voilà. Puis le pas de Saturne, il est tellement sympa en fait, hein, pour des jeux de baston. Ah. Voilà. Tu t'es fait un Burning Ranger avant le stream pour t'ambiancer. Bah t'as bien raison. Ah, Rayman sur Saturne, effectivement, hein, ça rame moins. Et il y a même des transitions en fait entre les niveaux qui sont mais pétées. Comparé à ce que ce qui se faisait sur PlayStation. En fait, la meilleure version de Rayman, du premier Rayman, c'est sur PC. Et ensuite, vous avez la version PlayStation. Par contre, j'ai fait de la merde. Et là, voilà. C'est-à-dire, pour le peu qui me fait son entiller, c'est terminé. Bon, là, ouais. On va essayer de le bourrer un peu pour le beau jeu, hein, voilà. J'en profitais pour me rasseoir correctement et enlever mes charentaises. Après, pour pas avoir de problème en fait d'incompatibilité avec les rampacks, il existe un rampack, il me semble, universel avec un action replay. Hop, on va changer de perso, hein, on va pas s'embêter avec ça. Par contre, on va essayer de changer de jeu le moins possible. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on va se faire une sorte de Real Talk géant. Donc si vous avez des questions, même qui sont pas dans le sujet, pour une fois, je vous y encourage et le temps que ça charge. Ah oui, d'accord, mais le hashtag guide collectionneur, il avait été bourmenté à l'infini. Ah, le volant de la Saturne, oui, je l'ai aussi. J'avais chopé en brocante à 1 €. Au début, je m'étais dit, c'est cool, je vais pouvoir jouer à Sega Rally et tout machin. Puis en fait. Après avoir compris que c'était une grosse daube, ce volant, c'est juste un machin qui prend la poussière en fait. Et c'est bien dommage. Alors, du coup. Par contre, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, le kit de développement de la PS1 se programme en C++, d'accord, je savais pas. En fait, le kit de développement de la PS1, il a incorporé aussi pas mal d'outils en fait prédéfinis. Ce qui permettait aux devs aussi de pas. Il est où le gâteau? Bah oui, c'est quand le gâteau? Ah merde, j'ai pas fait un gâteau. C'est vrai que j'aurais pu prendre un gâteau et une bougie, ça aurait été rigolo. Quoique non, j'aurais été capable de m'étouffer en soufflant sur la bougie. Je rigole avec la photo de Beyond qui marque Demeka, avec les deux. Est-ce qu'il se joue comme dans MVC2? Ouais, apparemment oui. Voilà. Ok, et du coup il y a son entière. D'accord, ok. Donc là en fait il y a le spam comme je l'appelais. Ok. As-tu fait Vagrant Story? Non, pour l'instant non. En fait, la première fois où on a fait des RPG, c'était il y a 15 jours. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'était un genre auquel j'osais pas trop les faire en stream. Pourquoi? Parce que ben, forcément, c'est des jeux auxquels tu peux pas tout de suite, j'irai pas t'amuser, mais t'as un minimum d'histoire et puis.
le temps aussi que le jeu se lance, je m'étais dit que c'était peut-être compliqué de le faire en stream, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense qu'on en refera. De toute façon, le programme de la semaine prochaine, je pense qu'on fera de la NES. Et on refera un peu les Black Box. La semaine d'après, si j'arrive à le faire comme je veux, on refera de l'Atari 2600. Parce qu'on l'avait fait qu'une fois hein, lors du stream de Noël. Ce qui était très drôle parce qu'on avait fait l'Atari 2600. Et la dernière heure, enfin la dernière partie, on avait mis un Pong. C'était très drôle pour ceux qui veulent aller voir ça sur YouTube. Monsieur Chou, tu me conseilles quoi comme jeu Saturn JAPUS jeu Saturn, tu cherches un shoot 'em up. Tu as, voilà. JQ au Chabéry Parodius. Il vaut quand même 50 balles minimum, mais un jeu assez craqué. Tout dépend du genre de jeu que tu cherches, en fait. Dis-nous un peu ce que tu recherches comme jeu, Xenocross One. Quel genre de jeu tu recherches? D'accord. Après, si tu cherches un bon petit jeu de baston sur Saturn en Jap, je te conseille X-Men versus Street Fighter, qui est pété, mais il te faut un RAM pack de 4 MO de mémoire. Qui est la meilleure adaptation de ce jeu. Et qui est un jeu sympa à jouer. Il y a pas mal de possibilités de combo aérien. Tu cherches du shmup. Bon, du shmup, t'as plus l'embarras que le choix, comme disait Coluche, hein, malheureusement. Hein. Sur Saturne. C'est pour le coup, c'est vrai. Hein. Tu as tellement de jeux. Entre les Donanpachi, t'as quoi, le Radiant Silvergun, on l'a dit. Le Parodius. T'as quoi, t'as la compile Twin Bee aussi qui est sympa, mais faut accrocher. Hein. Je sais que moi, personnellement, j'aime pas trop. Pourtant, la compile, je l'ai. Tu as quoi? Après, c'est pas une exclue, hein, mais tu as Mr. Bones qui est bien plus... Oh putain, j'avais oublié qu'il avait des mind games comme ça au Mega Red. En plus, c'est vrai, j'ai pris le perso le plus lent de la Terre. On râle parce que Hugo, il est trop lent dans Street Fighter 4, mais... Baston et action si tu cherches. Action si tu cherches un jeu du Schnapps. Tu as Segata Sanshiro, que j'ai aussi, hein, malheureusement. C'est un jeu très particulier. D'accord, ok, la super pas invincible, hein, c'est loin des derniers jeux. Hein. D'accord, je me fais défoncer. C'est super. C'est l'esprit. D'accord. Et tu es chiant, toi, tu le sais. Ok, bon bah, game over, comme ça on pourra changer de perso, c'est bien. Guardian Heroes, ouais. Sauf que Guardian Heroes, il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ah oui, Mr. Bones, c'est une exclue, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Attendez, je vais regarder un peu ce que j'ai autour de moi. En Saturn Jump. Silhouette Mirage. Silhouette Mirage. Voilà. Je n'en dis pas plus, on l'a déjà fait de toute façon, hein, Silhouette Mirage. Mais Silhouette Mirage, bordel. C'est juste le meilleur jeu de l'univers. Tellement de choses. Hein. Keio, ouais. Keio que j'ai failli trouver en PAL il y a quelques temps, mais qui ne marchait pas. Bon, ça va, hein, le vendeur m'a rendu mon argent sans problème, donc quelque part. Bon, ça m'a guaqué, mais bon, j'étais pas non plus en mode full rage. Je pense qu'on va baisser la difficulté, parce que visiblement... Pepsi Man, c'est vraiment un jeu. D'ailleurs, parlant de Pepsi... Non pas que je préfère le Coca au Pepsi, si, c'est vrai. Mais c'est pas le sujet. Hop, on va prendre Monsieur Spam. Il existe Pepsi Invaders sur Atari 2600, qui est l'un des jeux les plus cotés sur Atari 2600. Voilà, voilà. Il y a quoi d'autre aussi? Darius Gaiden, je l'ai pas fait sur Saturn, donc je saurais pas te dire. Qu'est-ce qu'il y a encore après comme bon petit jeu en import?
Je réchefflis, mais... Ah, voilà. Monsieur Spam! Attendez, je m'épreuve parce qu'en fait, je me souviens plus des coups de Monsieur Spam. Du coup, on va regarder. Hop, du coup, on sort la notice. Profitez-en pour poser vos questions, d'ailleurs. Alors, il y a Optic Blast. Ok, il y a un dragon. Et d'accord, ah oui, il y avait ça, j'avais oublié. Ah, il y a Last Bronx aussi, ouais, j'avais oublié. Après, il y a pas mal de jeux aussi que tu peux trouver pour une bouchée de pain. Si tu cherches des jeux du schnapps et si tu sais lire le japonais, tu as... Ah, comment s'appelle ce jeu? Le sous-titre, c'est Forever With Me, d'ailleurs. C'est le jeu de drague, là. Ah, ça m'énerve quand je cherche les noms des jeux. Last Bronx, c'est du versus fighting, hein. C'est pas... Si ma mémoire est bonne, hein, c'est pas... Ah! Hop, dragon! Lui, il a le dragon de 7 dans Street Fighter 4. Hein. C'est... Ah, putain! D'accord, en fait, ça, c'est une chope. Ça, tu peux le déchoper de loin. Ça n'a aucun sens, bordel. D'accord. On l'a fait monter la barre de super. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Je cherche hein, tellement de jeux de façon sur Saturne que... Christmas Nights, si tu cherches une autre exclue. Bon après certes, c'est pas un full jeu, hein, c'est plus un petit truc qu'ils avaient sorti pour la Noël. Mais dis donc, t'arrêtes de me casser les couilles, toi? Voilà. Au bout d'un moment... D'accord. Voilà. Petit point, gros dragon. Le combo quand même. Après, je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de trouver des jeux qui sont accessibles, même si vous connaissez pas forcément le... Si vous n'avez pas forcément lire le japonais, ce qui est mon cas. Je regarde ce que j'ai d'autre, hein, en fait. Ouais, il y a Christmas Nights, hein, ouais. Une pub qui vient de se lancer. Ah, c'est pas normal du tout. Moi, sur mon écran de retour, je n'ai touché à rien. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit que le stream est pas rentable et qui lance des pubs, hein. On ne sait pas. Non, 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 j'ai aucune idée par contre, Buzz DJ. J'espère que qu'il n'y a que toi. Il y a la légende de Thor 2 d'ailleurs sur Saturne. Il reste encore à peu près abordable, je pense, en PAL. Ah, moi, je me trompe. Enfin, quand j'ai à peu près abordable, c'est quoi? C'est 30-40 euros. Ça reste acceptable. Dragon, mon gars. Voilà, dragon. Voilà. Je te gratte. Silhouette Mirage, oui, bien sûr, je l'ai déjà cité. Tout le monde sait à quel point j'adore ce jeu, dont je possède d'ailleurs la bande son. Bande son qui est très sympa. Dash gros dragon quand même. Ah. Oh, n'importe quoi. Ah, je pensais qu'il y avait des dashs aériens dans le jeu. J'ai dû me tromper. Ah, j'ai raté mon arnaque du 1. Ça, quand je vais contre mon coup, je faisais un gros dragon avec Cyclops. Je backdashais, je mettais la super.
Ah oui, j'ai pas mappé les trois points sur le bouton L, donc je peux toujours appuyer tant que je veux. Ça, même en gratte, hein, c'est propre. Hein. Ah. Ah, d'accord. Je me fais démonter. En plus, je veux sortir le dragon et ça me sort le... L'optic blast à la place, c'est cool. D'accord. Ah bah oui, au moment où je vais mettre la super, je me fais avoir. Salut Santerion, salut à toi. Des bisous. Une Saturne d'ailleurs, comment ça coûte actuellement hein, en loose, le prix acceptable, je dirais que c'est à peu près 50 balles. Malheureusement, les prix ont pas mal augmenté, je dois l'admettre. Faudra que tu passes Segata Sanchiro. Ah. Pour Noël. Pour Noël, promis. L'émission de Noël. Ah, si j'annule pas. Parce que pendant la période des fêtes, apparemment, je risais de pas mal pris au niveau professionnel. Faudra que je vois ça. Mais dans le prochain, la prochaine fois qu'on reviendra sur la Sega Saturn, on mettra Segata Sanchiro. Le problème, c'est que là, si j'avais mis un jeu Jap en premier, c'est parce que mon STKey, il est assez... Ah. Il est assez capricieux en fait. Il faut lui trouver son point G, je dirais presque. C'est... D'accord, ok, t'es gentil, mais tu m'emmerdes là. Ah non, je pensais qu'on pouvait dash et puis... Ah oui, fallait faire dash, moyen point, et après ça... Vous pouvez continuer combo, non? Je sais qu'il y a quelque chose comme ça dans le jeu. D'accord, merci. Oh putain. Une Saturne région free, bah en fait, fais poser un Switch, hein, moi. Ça, un Switch, ça coûte quoi? 30 balles, je crois. 30-40 balles, un truc comme ça. Je regarderai après pendant la pub, hein, parce que j'ai une boutique pas mal chez moi qui les poste, c'est Switch, hein, GamesWave. Faudrait que je vois d'ailleurs s'il en fait toujours. Ça au moins je pourrais vous dire à peu près le prix moyen d'une intervention comme ça dans une boutique sérieuse. Voilà. Ah. Voilà. Après le problème en fait des... Le problème de la Saturne, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Il y a un bon catalogue de jeux, hein, ça, faut pas se mentir. Il y a beaucoup de jeux qui sont moins chers, en fait, en Jap. Mais le problème, c'est c'est de comprendre... Attends, il est safe, il met Dragon, il est safe... Il est safe après. Ça va, t'es bien. D'accord, on garde, c'est pas grave. D'accord. D'accord, mais... Il y a des persos, ils font super, ils backdash après. C'est rose en fait. Hein. Ok. J'ai pas besoin de continuer après. Plus de stream? Bah apparemment moi j'ai un petit délire aussi, apparemment ma connexion hein, elle est toujours là. Non c'est bon, apparemment j'ai fait F5.
J'ai fait F5, c'est revenu, donc... Hop, attendez, je vais pouvoir skipper la pub dans 3 secondes. Je vais devoir mettre pause. Ok, c'est bizarre. Ok, c'est revenu, il n'y a pas de problème. Attendez, par contre, pour être sûr de, voilà, de faire ça propre, je fais comme ça, et on est bon. J'ai fait un refresh, c'est revenu, hein, donc... Voilà. Ah, mais non. Non, apparemment, ça va être un problème chez certaines personnes. Parce que moi, le stream, il s'était mis aussi en mode je cherche. J'ai fait F5. Des fois, quand vous avez des problèmes avec Twitch, hein, mettez-vous en qualité minimum et vous faites un post-play. Et si vous voyez que ça remarche, là, après, vous vous remettez dans la qualité que vous voulez. Moi, je fais ça depuis moultes années. Et généralement, quand il y a un problème avec le stream, à part vraiment quand le streamer a un problème, quand moi j'ai un souci, hop, ouais, tant pis, je le bourre. Ah, voilà. Parfait. Ouais, Twitch, parfois aussi, il fait des choses bizarres, hein, je dois l'avouer. Enfin, moins bizarre quand même que la semaine passée avec l'écran noir. Ça, c'était particulier. Faut quand même avouer. D'accord. Voilà. Backdash. Le petit projectile. Ah, zut. Ça m'énerve quand ça fait ça. Ça peut être une option select dégueulasse. J'aime pas si c'est des options select dans le jeu, mais... D'accord. Parfait. C'est un grand fumeur, Cyclope. Oh la vanne. C'est Trunks qui a monté une école du rire ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus qui c'est tout à l'heure qui m'a fait un jeu de mots, mais c'était totalement... On aurait cru que... J'aurais cru que je discutais avec Trunks, c'était assez drôle. Ou alors c'était hier, c'était un pote à moi, je sais plus, enfin bref, c'était... Quoi que c'est stylé, hein, une école du rire, Frédéric Lu, je signe, hein. Si le contrat il est qualifiant, je signe. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Après la chope, en fait. Voilà. Parfait. Ah, moi, quand je stream, je suis obligé de mettre le retour du stream dans la plus mauvaise qualité possible. Comme ça me permet de timer pour les pubs. Parce que je sais qu'en timant comme ça, normalement, vous n'avez pas de pub. Donc ça me permet de m'ajuster. Donc après la pub, eh ben, je vous ferai choisir sur le jeu que l'on fera. En tout cas, là, les 10 dernières minutes, on se fera un Need for Speed. Oula, Colossus, il est pas content. Ouah, mais calme-toi. C'est la fête quand je fais un backdash, il me fait... D'accord. D'accord, parfait. Le premier Need for Speed est sorti sur Saturn.
grave, au moins ça gratte. Ah, j'ai raté. C'est pas grave. D'accord, j'ai voulu dasher sous le saut pour pouvoir passer en dessous. C'est super. C'est super la technique quand ça marche pas. Voilà. Il y a une console par contre que je vais essayer de me remettre à collectionner. C'est de la Master System. D'ailleurs, faut que je parle avec Beyond This Life après le stream. J'ai oublié de lui demander tant qu'il était dans le chat. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, ça fera peut-être la surprise pour la semaine prochaine. C'est pas bien grave. Ah, mais il plaisante pas lui hein. Il rigole zéro. Falloir aussi que je me remette à collectionner peut-être un peu de PSP. La PSP c'est un truc que j'ai un peu délaissé. D'ailleurs j'en ai même plus, mais il me reste quelques jeux. Il me reste la compile Metal Slug et la compile Castlevania. Faudrait que je m'y refasse. La Neo Pocket, on l'a fait il y a quelques temps. On l'a fait à la rentrée. La WonderSwan, on l'a pas encore faite. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait. On n'a toujours pas fait l'Amiga. On n'a toujours pas fait l'Amstrad. Après, streamer l'Amstrad depuis un Amstrad, je sais même pas si c'est possible techniquement. Ou alors, il va falloir s'amuser à modifier des trucs, hein. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore fait. Mais comme j'ai bien vu, même si le... En termes de retour et d'audience, ça avait bien marché le... L'épisode Atari ST, je vois bien aussi que à 90%... Pendant la pub, je vais vous faire un Stropole d'ailleurs. Moi, vous me direz, qu'est-ce qu'il vous fait lui? Je me souviens plus de ça. On fera un Stropole du coup pendant la pause. Ça vous dirait en fait ce que vous collectionnez en majorité, ça va du jeu. Du jeu PC, du jeu console, ou un peu de tout. Ça permettra de mieux connaître un peu l'audience, ce sera cool. L'Amstrad, ça m'ambiance de le faire. Le problème, c'est que, ben voilà, Banning of Troll le dit, c'est les temps de chargement. Déjà, pour commencer. Mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver des bons jeux, ça existe. On va pas non plus s'en cacher. Le problème, c'est que je sais pas si d'un point de vue émulation, c'est au point. Je sais pas si d'un point de vue émulation, ça permettrait de, comment dire, d'éviter les 30 ans de chargement qui peuvent être absolument chaotiques. Et je pense que aussi d'un point de vue émulation, on retire les erreurs type 1 qu'il y a, et type 1, type 2 qu'il y a sur les Amstrad. On fera un Stropole hein, pendant la pause. On va changer de perso, tiens. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Hop. Enfin, moi, je collectionne pas que des bons jeux, hein. J'ai aussi pas mal de bouses, je dois avouer. J'en ai un des bouses, hein. On fera un spécial bouse aussi prochainement. Parce que j'ai envie de m'amuser. C'était toujours très drôle, les spécial booze. Ça permet de ressortir des bons gros nanars qui font marrer tout le monde. Qui c'est qu'on va prendre? Il avait des mind games sympas. Je vais regarder ses coups vite fait, voir si j'ai le temps, ce serait bien.
Hop. Donc il est. Ah, il est là. Ok. D'accord. Hop, c'est parti. On va essayer ce perso. Fantôme. C'est vrai, avec les bouses, il y a toujours moyen de s'amuser, quoi. Puis c'est toujours marrant de voir le pauvre petit streamer s'énerver sur des nanars. Ah, le South Park Rally, oui, mais... Je l'ai encore, d'ailleurs. Le jeu de mon enfance. Je me souviens plus en fait le follow-up après ça. Faut faire pied, je crois, non? Non, faut juste faire la direction opposée, voilà. En fait, ce perso, il pue la cacahuète, quoi. Autant tout à l'heure, il m'a... Ouais. On peut faire le... Non, on peut pas. Ah si. En le faisant les 6 boutons enfoncés et start, souvent ceux avec les jeux Saturn. Les 6 boutons en façade et start, souvent ça permet de reset le jeu sans avoir. C'est un soft reset en fait. Le South Park, par contre, lui, même si c'est en lui-même le premier qui est un FPS, je crois, même si c'est une bouse, j'en ai de la sympathie parce que j'ai passé du temps à exploser des dindes dans ce jeu. Donc j'ai quand même de la sympathie pour ce jeu. Du coup, après la pub, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a quoi? Du Command & Conquer. On a la compile Bubble Bubble featured Red Rainbow Island. Pour le Need for Speed, on avait dit qu'on le ferait. Psylocke. Ah, tiens, Iceman, c'est vrai. On aurait qu'on se refasse aussi une petite émission sur les jeux multijoueurs. Réinviter un pote, ça pourrait être le fun. On va faire ça prochainement. Paris-Marseille Racing, oui. D'accord. D'accord, ok. Je ne sens plus du tout des coups de ce perso. Ça va être très sympa, je pense. En fait, en termes de fun, si je pouvais vous conseiller un jeu X-Men, c'est le X-Men versus Street Fighter. Tellement sympa ce jeu. Autant celui-là, graphiquement, il est bien et tout machin, il y a des bonnes idées. Mais parfois, il se révèle un peu chiant, hein, je dois avouer. Le backdash d'Iceman. Votez meilleur backdash du jeu, à mon avis. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, voilà, ce que j'allais dire, ce Ice Beam, il sert en fait que en... Voilà. Et c'est bien ce qui me semblait. Vous pouvez faire pied et canceller, voilà, c'est ça. Je me souviens encore de quelques trucs quand même dans le jeu. D'accord. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas eu de jeu Micro Machines sur PS3 360. Et ben là, on est totalement d'accord. Hein. C'est clair. Oui, c'est bien la version Saturn. Que j'ai en pâle d'ailleurs. Le problème, c'est que j'ai 36 milliards de jeux. Voilà. 36 milliards de jeux sur le bureau qu'au bout d'un moment, ça en devient carnage. Hop. Voilà. Faut mettre des pressings en fait comme ça. Hein. Ah. Voilà. Reste à ta place. Alors on parlait tout à l'heure, hein, de perso à spamming. Il y a Iceman qui se pose là. Hein. Merde, comment on fait déjà? Ah voilà. C'est Bao pour faire le super saut. J'avais déjà oublié ça. Ok. Faut mettre totalement des pressings, on l'a montré tout à l'heure, hein. Essayez de le refaire. Voilà.
Voilà. Et même la plupart en fait des furies, hein, il est. C'est activable en l'air. Hein. Quand j'y jouais à l'époque avec des potes, Iceman c'était le perso interdit. Voilà. C'est souvent comme ça en fait. Micro Machine 64, je l'ai pas encore celui-là. Mais je dois avouer que je vais y mettre. Parce que les jeux Micro Machine, souvent ça fonctionne bien en multi, puis ça fonctionne bien aussi avec les gamins. Parce que c'est des jeux assez sympas et assez simples à prendre en main. Donc du coup, ben, ça peut être sympa. Il va falloir que je note ça sur la liste des jeux que je recherche. Si vous me dites que la version 64, elle est pas mal. Ok, voilà. Voilà, on est tranquille. Et puis je vous lancerai un petit Stropole aussi pendant la pause. Hein, ça pourrait vous avez un petit sondage sympa. Vous direz ce que vous collectionnez en particulier. Enfin, pas en particulier, en général. Du coup, ça pourrait être sympa. Et ça pourrait me servir aussi pour les futures émissions. Micromaniacs, ouais, je l'ai pas encore acheté celui-là d'ailleurs. Il y a tellement de jeux de toute façon que j'ai pas encore acheté. Ah d'accord, merci. Ça c'est un truc que j'adore dans le jeu, c'est quand je veux lancer une super et qu'à la place en fait ça fait tout sauf une super. On appelle ça les gros doigts. Bah à la fin de la partie du coup, parce que comme là à mon avis, on va pas. Voilà. Je m'en doutais. Donc le temps de changer de jeu et de vérifier que tout va bien. On va lancer la pub tout de suite. Et puis ben on revient dans 5 petites minutes pour la dernière partie. On fera du Need for Speed. Et puis je pense le Bubble Bubble featuring Rainbow Island, histoire de jeter un œil à cette compile. À tout de suite.
Hop là, de retour dans la dernière partie de ce guide du collectionneur. Eh ben, c'était là, c'est les 1 an, hein. On est là, on est bien, on est posé. Alors, je vérifie quand même quelque chose, qu'il y a une chose que je n'ai pas faite. Ok, donc c'est bien Lunatic après pour Isaac TV. J'avais oublié, par contre, je voudrais tellement que la console me remette... Ah, elle voudra peut-être pas. C'est pas grave, on va faire un reset, parce que je veux que vous voyez quelque chose, tellement c'est dégueulasse. Faudra juste espérer que la Saturne, elle veuille faire son travail. Apparemment, oui. Ça va, tout se passe bien. Je veux que vous voyez ça. En attendant, j'ai le temps de regarder un peu ce que donne le Stropole. D'accord. Donc en fait, au point de vue de mon public, vous collectionnez très très peu le jeu PC. Enfin, le jeu PC micro-ordinateur. C'est bien quelque part ce qui me semblait. Ah, par contre, il y a une pub qui vient de se relancer. Super. C'est pas grave. De toute façon, comme on est là pour discuter tranquille. Par contre, je... Ah oui, ça parle des premiers FPS. Justement, j'ai prévu aussi un spécial FPS, mais ce sera sur PlayStation 1. Alors, regardez-moi ça. Attention, je vous préviens, ça pique. Quand j'ai relancé le jeu hier, j'ai vu ça, j'ai... Une sensation de malaise quand même. Ouais, c'est là qu'on se dit quand il y a eu la 3D, il y a des choses, c'est pas pardonnable. Vous rendez compte qu'ils ont réussi à changer Bub et Bob en deux dinosaures obèses avec un regard... Je sais pas, on dirait qu'il louche. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu louches comme ça? Hop, voilà, j'avais mon antivirus qui disait qu'il s'était mis à jour. J'espère que... Vous n'avez pas eu de problème, par contre. On a des pubs qui se lancent en cascade. Ok, donc vraiment personne en fait collectionne le jeu du jeu PC. Hein. Bon, on en fera à l'avenir. Hein. Bon là, je passe cette cinématique qui est juste immonde. Bon, j'en ai des frissons, c'est pour dire. Ça rappelle l'intro de Sonic 3D Blast. Ouais, mais c'est un peu comme si tu prends l'intro de Sonic 3D Blast. Et... Mais, comment dire, Sonic 3D Blast, c'était déjà mauvais, mais tu montes un... Tu dis, je vais décider de faire quelque chose, je vais faire de la merde, mais je vais monter un palier au-dessus. C'est... Fouah... Ouais, un stream avec des jeux PC, oui, c'est... Le tout problème, c'est qu'il faudra passer par l'émulation. L'émulation, si j'aime pas en faire, il y a toujours le problème du... Si ça marche pas, on fait quoi? Et c'est ça qui m'embête. Sinon, dans l'idée, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de façons de sujets, même si en un an, 49 émissions, si j'ai bien calculé, il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait. Donc c'est... Il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Hein. Voilà. Donc hein, pour ceux qui... se souviennent plus comment on joue proprement au jeu. Faut donc emprisonner les ennemis dans les arcs-en-ciel et sauter au-dessus pour faire apparaître des diamants. Et il faut récupérer les 7 diamants par monde. Voilà, pour pouvoir activer la vraie fin. Parce que oui, c'est ce genre de jeu. Où il y a une fausse fin. Par contre, le remix là en... J'irai pas jusqu'à dire en 2,5D, mais... Le remake est loin d'être dégueulasse, quoi. On a déjà vu bien pire. Par contre, confirmez-moi que vous entendez le son du jeu, parce que c'est tout le problème aussi de la Saturne, c'est les différences de volume sonore entre les jeux. Par contre, le HUD du jeu, il a quand même été changé, et ça, c'est bien. Ça vous permet de voir tout de suite ce qui manque comme diamant. Pas de devoir faire start de manière intempestive.
Oui, effectivement, 3D, Sonic 3D Blast, il est pas ultra dégueulasse comme jeu. C'est juste qu'ils ont changé en fait le concept du jeu. Sonic à la base, c'est pas un jeu d'exploration. Donc c'est pour ça en fait que c'est l'un des jeux, s'ils avaient pas mis Sonic comme personnage, la pilule serait passée, mais totalement. Il y a eu beaucoup de jeux d'ailleurs, hein, comme ça, où... Le meilleur exemple, selon moi, c'est les Castlevania sur Nintendo 64. Tu retires le mot Castlevania, ça passe. Après, il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé hein, Castlevania 64. Moi, non. Et je les ai eus, hein. Donc c'est pour dire un peu l'arnaque. Ah, il y avait une abeille, j'ai pas vu. Ouais, le remaster par contre de Rainbow Island, je vous avoue, il est pas mal. Rien que pour ça, la compile, elle vaut le coup. Puis c'est pas une compile qui vaut très cher. Hein. Ça vaut quoi? Ça vaut 15 balles. 15 balles pour avoir Bubble Bubble Rainbow Island dans la même galette. Avec en plus un remake de Rainbow Island. Ça se prend largement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah, Bubble Bubble, par contre, ouais, moi effectivement, je l'ai pensé aussi. Contrairement à Rainbow Island, qui est pas l'un de mes les jeux que j'adore. J'irais pas dire que j'y joue parce que j'y suis obligé, mais c'est pas le genre de jeu que je vais mettre naturellement dans ma Master System ou dans ma NES, quoi. C'est. Mais cette compile, elle pourrait enfreindre le second commandement du collectionneur, à savoir. Payer toujours plus cher pour la même chose. Parce que là, pour le coup, on a deux classiques des années 80. Dans un même disque, et en plus avec une version remix d'un très bon jeu. Et pour une fois, le remix, il est pas dégueulasse, hein. C'est pas comme le. Ils avaient tenté un moment, hein, je crois que c'est. Je sais plus si c'est Taito qui a tenté de faire un remix de Burger Time. Oh, sur l'Xbox Live. Putain que c'était moche, c'était horrible. Burger Time World, ça s'appelle. Je cherchais. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Je cherchais le nom du jeu. C'était dégueulasse. Monsieur Chou m'a donné envie de jouer à Bubble Bubble. si tu me cherches, en fait. Alors, il y a deux écoles. Où tu te dis le. Si tu veux la. Je dirais pas la version la plus fidèle à l'arcade parce que ça veut rien dire. Si la version la plus fidèle à l'arcade, chope-le sur Saturne. Parce que c'est vraiment pas mal en fait. Je vais essayer de voir si on peut. Quitte tout title screen. Voilà. Hop, ça on va le mettre justement. Ça vous pourrez voir ça. Ah, on peut pas. Quitte tout main menu. Yes. Parfait. Non, Castlevania, t'as Symphony of the Night, faut pas déconner, Symphony of the Night, il se respecte le jeu, il est juste excellent, le 4, il est très bien. Rondo of Blood, très bon jeu. Mais le 64, non, c'est. Pour moi en tout cas, hein, c'est juste non. Le premier, effectivement, je suis d'accord avec Binding of Troll, on dirait une version bêta d'un truc qui finit à la pisse. Tout simplement. Du coup, après avoir exploré les versions Master System et NES de Bubble Bubble, on va voir ce que ça donne du coup là. Sur PS1 et PS2, il y a les Taito Collection. Ok, je savais pas. Et certainement, ça coûte moins cher. Et bah, déjà, les PS1 et PS2, ça coûte forcément moins cher. Alors par contre, le son du jeu risque d'être un petit. Un poil fort, donc c'est ça, vous me confirmerez. Hop! Merde, j'aurais dû récupérer le bon bec avant, c'est pas grave. Donc on va y jouer 5 minutes et puis après, on sera un petit Need for Speed.
Ah, cette musique de l'amour. Tu n'as pas de Saturn, malheureusement. Eh ben, essaie de te le choper. De toute façon, la version Master System est très bonne aussi, je dois avouer. Je la préfère même à la version NES, c'est pour dire. Et je dis pas ça parce qu'il y a Beyond This Light qui est dans les parages. Et sinon, il va crier très fort. Faut que je te contacte après le stream, d'ailleurs, Beyond. J'allais prononcer ton prénom, mais c'est vrai. L'identité de Superman doit rester secrète. Même si tout le monde sait que c'est Clark Kent. Enfin. Voilà. Et on se fait pas chier. Bon, je dis quand même, il y a une borne d'arcade, puzzle game avec des petits dragons. Ben, puzzle bubble. Mais ça m'étonnerait que Moa, tu ne te souviens plus de puzzle bubble. Hein. Ou alors, je crois savoir ce que c'est, mais. Je cherche le nom aussi. Bust move, ouais, bust move. Alors. Voilà. Oh, c'est forcément... De toute façon, Bust Move et Puzzle Bubble, c'est le même nom, en fait. C'est juste qu'il y a une localisation où ils ont changé le nom. C'est l'un des puzzle games les plus faciles d'accès, d'ailleurs. Hein. Voilà. Allez. Allez, gamin, cours, voilà. J'ai entendu, faut que je te... Oui, faut que je te contacte à la fin du stream. En tout cas, si j'oublie pas. En tout cas, on a vu ce que ça donnait, en tout cas, le puzzle bubble dans cette compile. Voilà, c'est propre. Pour une petite compile avec deux jeux. On va se faire un petit Need for Speed. Pourquoi, hein? Parce que j'ai envie. Hop. D'ailleurs, chose amusante. À mon avis, le l'ISO du jeu doit pas peser lourd. Parce que le CD il tournait même pas. Donc le jeu doit rester en mémoire. Alors, Need for Speed. Mettons le disque. Déjà, on peut constater que CD comme ça aussi sur Mega Drive. Hein. Mais les jeux faits par Electronic Arts, ils ont souvent, en tout cas sur Mega Drive, les cartouches ont une forme différente, et le casing est un peu différent. Et là, c'est totalement le cas, vous pouvez voir la taille, comparée à un jeu normal, la taille voilà, du Need for Speed, c'est le double, voire le triple en... Ouais, c'est quasiment le triple en fait, en largeur. Et il est compatible avec le volant arcade, d'accord, je ne savais pas. Votre rêve devient réalité, vous pilotez 8 des voitures de prestige les plus célèbres au monde. Enfin, on va pas lire tout le bullshit du jeu, sinon on va pas s'en sortir. Moa, tu ne te souvenais plus de Puzzle Bubble? Oh mon dieu. Bah, Electronic Arts, ils avaient même fait les plus que les malins avec la Mega Drive. Parce qu'ils avaient réussi à faire du rétro-engineering sur le kit de développement. Renseignez-vous, c'est très drôle en fait. Je vous assure, c'est très drôle cette anecdote. C'est les mecs, ils ont pas envie de payer un kit de développement à Sega. Alors du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils arnaquent le truc. Et ça, je trouve ça très drôle en fait. Hop, on prend la première bagnole. On s'en fout. Allez, la Saturne. Parce qu'elle fait des drôles de bruits de chargement. Du coup, ça m'inquiète. Bon, sinon, au pire, j'ai plein d'autres jeux sous la main. Ah, ça passe. Ah oui, j'ai eu ce problème-là hier. J'étais resté au point mort. C'était assez drôle.
Ouais, effectivement, les cartouches Mega Drive faites par Electronic Arts, non seulement elles ont pas la même forme, ils ont une espèce de truc en plastique jaune un peu dégueu. Et pour en avoir démonté pas mal, souvent en fait, quand vous avez un jeu défectueux sur Mega Drive, les jeux Electronic Arts sont en première ligne. Principalement parce qu'il y a un petit condensateur dedans qui est de très 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 mauvaise qualité. Même la qualité du vernis en fait qui est sur la PCB est pas top. On va dire ça comme ça. Comme Codemasters, mais il n'y avait pas que Codemasters aussi hein, sur NES, tu avais aussi Color Dream. Il y avait quoi d'autre? Enfin bref, il y en a eu tellement. Et sur Famicom, alors là c'est l'hécatombe. C'est tous ceux qui voulaient pas payer des royalties à Nintendo avaient fini par négocier un contrat plus avantageux comme Namco, il y a quoi d'autre Enfin bref, ce genre de choses, stuff happens, comme ils disent chez Capcom. Alors, autant que j'aimais bien ce jeu à l'époque, je le trouve un peu chiant, en fait, bêtement. Remis dans son contexte, c'est vrai que je le trouve un peu... un peu pato. Alors, Ridge Racer, ça a plus mal vieilli, je trouve, et je m'amuse plus. Ça vaut pas non plus un Road Rash, mais bon. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un jeu de bagnole. Alors du coup, je m'étais dit, pourquoi pas. Ok, ok. Chou, fais pas le con, fais pas le con. Voir si j'avais mis ces Garali, ça serait pas arrivé, ça. C'est le mec à 700 mètres de l'arrivée, il se prend un mur. D'accord, en fait il y a un mur invisible qui m'a poussé, c'est cool. What? D'accord. Ah, le Outrun sur Mega Drive. Attention à virage. Sonic All-Star Racing Transform, j'ai surkiffé le jeu. Au point que quand Mario Kart 8 est sorti, pendant des semaines, je disais à tous mes potes, ce jeu c'est de la merde, faut jouer à Sonic All-Star Racing Transform. Et comme finalement personne a fini par m'écouter. Voilà. Mais franchement, c'était vraiment pété Sonic All-Star Racing Transform. Même le premier il est bien. Le Sonic Sega All-Star Racing. Hop. On va changer de bagnole. Ah, j'ai cru voir MSX. Oh, allez une Mazda, voilà, allez, une petite Mazda. Ah, la direction assistée, elle est en option, c'est clair. Les freins diraient un éléphant. Ah, le micro machine sur NES, ouais, avec la cartouche noire chelou, ouais, oui, je l'ai déjà vu, je l'ai pas acheté, mais j'ai déjà vu ça. D'ailleurs, anecdote, tant qu'on en est dans les anecdotes, avant de rendre l'antenne pour Lunatique. Mais non, te mets pas au point mort, Coco. La semaine prochaine, samedi prochain, je... avec ma boîte, en fait, on va animer un atelier jeux vidéo en médiathèque. Et j'ai donc dû acheter FIFA 16. Donc j'ai dû jouer au jeu un petit peu, parce que, étant donné que je dois organiser un tournoi, je me souviens pas m'être autant fait chier. Sans déconner, hein. Sans déconner, je me souviens pas m'être autant fait chier depuis longtemps. C'est clair que le jeu est beau, bon, ça a pas mal changé. J'ai pas dû jouer à un jeu de foot depuis... presque 15 ans. Le dernier, c'était un PES sur la première Xbox. Allez, quand je dis 15 ans, allez, 12 ans, une bonne dizaine d'années facile, ça c'est certain. Et je me suis fait chier au point que 5 minutes, je me suis dit, mais en fait...
C'est vraiment parce que les gens de la médiathèque voulaient pas de jeu rétro, sinon j'aurais bourré un Super Psychic 3 The Next Glory sur Neo sur un Raspberry et c'était mieux quoi. Non, non, DJ Filler, on est sur Saturn là. Mais c'est très proche de la version PS1. Bon, la voiture rouge là, t'es gentille. Mais en fait, non. Voilà. Et tu vas dégager. Putain. Waouh, mais le conducteur agressif quoi, c'est. D'accord. Ça se conduit pas du tout comme Sega Rally. Hein. D'accord, c'est cool. C'est vrai qu'on dirait un éléphant quand même le bruit des freins. Beyond This Life a eu raison. Hein. Qui collectionne les mises à jour? C'est pas faux. Mais alors, je me suis fait chier sur FIFA 16. Heureusement, j'ai pas eu dû y jouer beaucoup. Bon, j'ai dû y jouer pour vérifier que les deux manettes filaires que j'avais achetées fonctionnaient. Alors, grosse désaventure, si vous achetez des manettes filaires pour PlayStation 4 de la marque Gator Claw. Alors attention, avec les dernières mises à jour du firmware de la PlayStation, vous branchez les manettes, vous dites tout va bien, vous jouez 2 minutes, la manette fonctionne plus. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais les ramener au magasin, hein, je les ai achetées la veille. Mais en fait, il faut mettre à jour le firmware des manettes. Quand vous allez sur le site officiel de la marque, il n'y a rien qui est marqué. Je vous assure, hein, il n'y a rien qui est marqué. C'est presque à la limite, bah, tu les as achetés, va te faire voir. Il faut que vous allez sur un site de tierce partie pour en fait trouver un utilitaire qui vous permet de mettre à jour les firmware qui va vous débugger le truc. Alors, je vous le dis d'avance, hein, achetez pas des manettes Gator Claw, faites pas comme moi. Achetez des manettes Ori, ce sera mieux. Voilà, voilà. Et bah écoutez, sur ce... On a fêté dignement les 1 an du kit du collectionneur avec... On a eu du gros jeu quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous jeudi prochain, même bat heure, même bat chaîne, pour le guide du collectionneur. Et ben, restez, dans à peu près 5 minutes, il y aura Lunatic pour Isaac TV. Allez, à très bientôt, des bisous. Salut, salut!